Salut! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un jeu que j'ai découvert récemment sur Steam et qui a l'air vachement bien. Ça s'appelle Ben and Head. Oui, le personnage s'appelle Ben. Et c'est un jeu qui est apparemment un die and retry assez compliqué. Peut-être qu'il y a de la difficulté, mais pour ce que j'en ai vu, ça a l'air plus rigolo que difficile. C'est des espèces de parcours qu'on va faire en contrôlant un espèce de zombie qui peut se faire couper dans tous les sens. Et ça a l'air drôlement sympathique. Je me suis pas spoilé, je me suis gardé à la surprise. C'est un jeu qui monte en ce moment, donc vous le voyez de plus en plus un peu partout. Et j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Donc c'est tout, c'est parti. À tout de suite. A new game, en espérant qu'on puisse y jouer avec la manette. Ben and Head. Eddie. Ah, mais c'est quelle histoire alors, ceci est Ben. Il vit dans un monde un peu caca, un peu crappy. Un jour, Ben a trouvé Head, le premier non-mort, premier zombie, le premier mort-vivant. Ils deviennent amis. Il y a le maître du spectacle qui s'appelle Hans, peut-être, qui les a séparés, oh, que c'est triste, et qui les utilise. Ah d'accord, c'est ça le principe du jeu en fait. Le zombie, vu qu'il est pote avec le petit garçon, il va essayer de le récupérer, et donc il va y avoir des obstacles et de la course. Et voilà, et ce qui donne lieu à un énorme show créé pour l'occasion, quoi. Enfin, en fait, il utilise le zombie pour faire un spectacle, qui s'appelle Run Dead, la course de la mort, backstage. Donc là, normalement, c'est la phase tutoriel où on s'entraîne à... Oh oui! Regardez, regardez! Je peux jouer avec la manette, je suis trop content. Ah, je peux faire des roulades dans l'avant, waouh, trop bien! Ça sert à rien. Ah, je peux retry en appuyant sur le triangle, ok. D'accord, ok. Bon, je vais tâcher de pas toucher tous les boutons et on va essayer de voir le tutoriel. Là oui, donc ça c'est pour sauter évidemment, ça c'est logique. Ah, j'adore le jeu. Bon, apparemment, le but du jeu c'est de casser des espèces de trucs, des boîtes métalliques et tout ça. C'est trop cool. Je sens que je vais faire plusieurs vidéos sur ce jeu parce que c'est trop bien. Ouais, attendez, c'est chaud à prendre en main. Ok, cool. Et du coup, ça fait quoi? Ça a ouvert la porte? C'est tellement ridicule. Allez, viens. Viens, on se remet. Oh oui. Eh ben, je suis mort? Oh putain, j'ai rien compris. Pourquoi je suis mort? Bon, en tout cas, ça m'a ouvert le chemin. Allez, on est parti pour ouvrir la porte avec eux. D'accord, c'est rond. Ok. Oh, le jeu est super joli, déjà. Moi, j'adore les graphismes comme ça. Ok, il y a des checkpoints. Ok, on est parti pour le vrai jeu, là, ça va commencer. Ouais, le jeu est super bien. Le gameplay, enfin, la prise en main est pas très mauvaise. Ah, donc apparemment, j'ai raté deux trucs. Il y a moyen que ce jeu me plaise énormément, ça a l'air trop cool. Alors, il y a les portes qui s'ouvrent, il y a une statue de moi, de ma grande effigie, juste là. Droite ou gauche, ça part sur la droite. On part sur des roulades, mon gars. Ça me rappelle Donkey Kong 64. Vous pouvez faire des roulades. Donc c'est ça. C'est effectivement ça. C'est un espèce de parcours tout simple où on doit... Vous voyez? Ces espèces de montagnes de conserve, il faut les... Ah ouais! Ah ouais, d'accord, une lame, ok. Ok. Donc il faut faire gaffe à ça. Je peux sauter? Je peux sauter. Oui, oh putain, il y en a une autre, d'accord. En fait, ouais, c'est ça. Ça va être du die and retry et... Mais il y a des checkpoints. Ça va pas être bien, bien dur, ça. Franchement, le jeu, il va pas être... Enfin, si tu te concentres un peu pour jouer, ça va pas être aussi dur qu'un Super Mario ou autre, quoi. Ouais. D'accord, je suis sur une seule jambe. On peut être sur une seule jambe. Mais je cours moins vite, du coup. Ouais, bonjour. Ok, ça passe. Tant que ça passe. Là, ça passe, allez, ça passe. Ce jeu est trop bien. Je vous ai dit que ce jeu était trop bien. Ok. On va attendre qu'il passe une fois, genre comme ça. Ouais, non. Oh, si, c'est passé. C'est pas dur. Pour l'instant, c'est pas dur. J'imagine qu'il va y avoir des moments beaucoup plus durs, mais pour l'instant, ça passe vraiment facilement. Non, franchement, pour l'instant, ça va. Moi, j'ai vraiment cru comprendre qu'il y avait des gens qui rageaient tout sur ce jeu. Mais là, pour l'instant, je vais pas dire que c'est donné, mais bah, c'est le premier niveau. On va le voir comme ça. Ouais, trop bien! Tu as réussi! Tu es trop fort! Hop là, ça passe. Ça passe, oui. Pour l'instant, c'est donné. C'est donné. Ça va. Je speedrun le jeu. Cherchez pas, je suis trop fort. J'adore les jeux comme ça. D'accord, on tombe. Franchement, t'as juste à sauter et ça passe tout seul. Ah! J'ai raté ça. Hop, ça passe.
Et il va revenir. Ouais. Non, c'est bon. Je suis même pas mort. Ah, je pensais vraiment qu'on pouvait comment dire sauter savez, sauter un peu le niveau comme. Et qu'est-ce qui m'a tué? Par contre, j'attends les moments où on va jouer à la tête. Genre, il y aura des éléments de gameplay où il faudra utiliser la tête et tout. Je suis assez curieux de voir comment ça va passer ça. Waouh. Waouh. Ouh là, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et revenez. C'est fini. Parce que j'en ai 15 sur 15. J'ai récupéré le garçon. Yeah, yeah, trop bien. On est content. Mais non, évidemment, puisqu'il y a d'autres niveaux. Ça ne peut pas s'arrêter là. Tu l'as fait. You made it en 4 minutes pile. J'espère que la difficulté va augmenter parce que si ça se finit aussi vite, oh je vais être triste. Parce que j'adore, franchement j'adore. Ça me rappelle les vieux jeux, je trouve ça trop cool. Je suis vraiment fan de ça, je vous le dis. Alors là il y a des boules. Je présume qu'il y en a deux autres qui vont arriver, non? Non? Non. Bon. Oh putain, oui, c'est bon. C'est bon. Là il y en a un. Ouais, il y en avait qui montaient de là-haut. Alors attention. Ah, oula, attends, parce que là il y a du monde. On va passer comme ça, ouais, c'est bon. Ah merde! Je l'avais. Oh! On peut faire ça? On peut jouer sur les mains? Mais il est trop cheaté ce jeu! C'est trop facile! Ah, par contre, je pourrais pas sauter là. Non. J'ai besoin de mes jambes. Mais au moins, il y a les checkpoints. Les checkpoints, c'est vraiment trop utile. Parce que si tu touches le checkpoint avec tes. Tu sais, même s'il te manque que tes jambes ou s'il te manque que ta tête ou quoi, eh ben, tu te respawn et après t'as de nouveau tout ton corps. Et ça, c'est trop cool. Oula, ça va être dur. Ouais, ben évidemment. Ah, j'aime bien cette façon. Vous voyez, c'est. Oh, bah ben, tiens, il n'y avait plus les bras. Ça fait un peu comme dans Iron Man quand ils construisent un robot Iron Man. Plein de robots avec plein de mains qui font ça et tout. Allez, on revient là où on était. Du coup, attends, au moins est-ce que je peux aller là? Il y a un espace entre les deux que je. Bon, tant pis, on trace, non? Ouais, ça passe. Zone de sûreté. Ah, ça y est. Ça y est. C'est le moment où on utilise la tête. Non? Ça a rien fait? Ah non, avec la tête, je vais sur le checkpoint. C'est tellement ça. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il nous suffit de balancer une seule partie de notre corps sur le checkpoint. Et après, on se fait revivre. Regardez. Et là, je me fais revivre. Et je suis là où j'étais, juste là. Vous voyez? Là. Derrière ça. C'est vraiment nickel. Mais du coup, c'est vraiment. Merde, je regardais pas. C'est vraiment facile, du coup. Allez, cours, mon grand. C'est super beau. C'est super beau, ce jeu. Un peu sombre, mais trop stylé. Je suis vraiment super content de le tester. Ça fait une semaine que je sais que je dois faire une vidéo dessus. Et j'ai vraiment. Qu'une hâte, c'était de le faire vite et je suis content. Zombie, attends, on peut pas sauter là comme ça, genre. Waouh! Non, d'accord, j'ai rêvé. Par contre, il y a des espèces de trucs là qui volent, vous avez vu? Ça, le caméraman. Merde. Bon, on va essayer de jouer normalement. On cherche pas à trouver des bugs dans le jeu. Ça passe. Ça, ouais. Ouh là, c'était chaud. C'était un peu chaud par contre. Waouh, c'est penché. On dirait un circuit à la Mario Kart. Ça passe. Il va y en avoir. Deux autres. Ouais, non, là il y avait du monde. Là il y avait quatre lames, c'était un peu plus compliqué de ne pas les toucher. Par contre, je viens d'avoir une idée. J'ai envie de tenter un truc. Vous voyez ce que je veux essayer de faire? Si je fais ça. Waouh! Non, d'accord. Le jeu anticipé, on peut pas le faire. Ça passe. Oh merde! Ça passe pas. Attends. Putain, là on va tricher. On va passer. Oh là, c'est le moment où les. Ouais. Le moment des 4 lames, c'est un peu dur. Mais je suis tellement un tricheur! Non! Ça m'apprendra à tricher. Ouais, c'est passé. Non, qu'est-ce que je fais? Calme-toi. Je suis vraiment nul. Je sais pas pourquoi j'ai. J'arrive plus à réfléchir. Oui, vas-y, rampe, mon grand. Passe entre les deux. Vas-y, rampe. Ça passe. Oh ouais, mais en plus ça passe tellement bien. Oh, par contre c'est un peu long là. Oh non, je peux pas. Il fallait que je sois debout. Et non, j'ai plus ma main.
Je peux lancer ma tête. J'ai bugué le jeu. Je suis pas censé pouvoir jeter ma tête, je n'ai pas la main pour lancer ma tête. Ah voilà, j'ai pété le jeu, désolé. Désolé messieurs les créateurs du jeu, j'ai cheaté, j'ai triché. Allez, on continue. C'est vraiment trop bien. Franchement, j'adore trop le concept du jeu. Trop trop content. Oui, ouais, exa, je l'ai senti. Qu'est-ce que c'est ça? Un canon? Ah d'accord, je vise. Ouah, ça me fait penser à Mario 64 avec les canons. Comment on tire? Oh, ah, le jeu a lagué et tout. 8 minutes 28 pour finir ce niveau. Waouh, bah c'était trop bien. Bon, mais en tout cas, c'est très bien. C'est vraiment très très bien. Je suis très content de ce jeu. J'ai tourné à peu près 20 minutes. Il reste 3 niveaux. Moi, je vous propose de garder ces 3 niveaux pour une seconde vidéo sur ce jeu. Parce que le faire en une seule vidéo, ça serait beaucoup trop long. Mais en tout cas, je suis vraiment fan. J'adore vraiment, vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. Et j'ai très hâte d'y rejouer pour en refaire une vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'attends vos avis sur ce jeu et sur cette vidéo, en tout cas, dans les commentaires de cette vidéo. Du moins en dessous, quoi. A très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse fort et surtout, joyeux Noël. Surtout, parce que après-demain, c'est Noël, normalement. Si je sors la vidéo ce soir, si tout va bien. Après-demain, c'est Noël, donc je vous souhaite de très bonnes fêtes. Passez de très bons moments avec votre famille et ou vos amis, si vous faites Noël avec des amis. Mangez bien, c'est le plus important. Et passez du moment avec les personnes que vous aimez. Je vous souhaite de très bons moments et à bientôt sur YouTube. Bisous et ciao.